Salut, salut, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la première fois que je vous passe ce matin. Mine de rien, il est quand même midi. Et ça fait deux vlogs que je commence à vous parler tard. Je suis désolée. Je vous aime toujours autant. Non, c'est parce que ce matin, on dirait que j'ai fait plein de choses. Je me suis même préparée. Hey! Je me suis même mis dans un beau petit setup de fleurs pour vous autres. Je vous dis. Non, mais pour vrai, là, je viens de me faire chauffer mon reste de poulet de Casse-Loignon. Que j'ai fait dans mon dernier vlog. Là. Je vais prendre une première bouchée, puis ensuite, on va se parler. Oh, c'est vraiment chaud. Oh, oh. Ok. C'est bon. Comme à la limite, c'est meilleur à chauffer. Ça vous arrive aussi quand vous prenez une bouchée chaude, là, ça vous fait mal jusqu'à ici. C'est chaud. Ok, on reprend nos sens. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vlogger aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va vivre un vlog plein d'émotions. Oui. Je vous dis. Vous allez vivre. Ben, je vais vivre, mais vous allez comme m'assister. On va vivre la fin. Une histoire d'amour. Inquiétez-vous pas, c'est pas avec Francis. Mais bien. Avec mes ongles. Ouais. On n'est pas sur la veille de rouvrir hein, les commerces. Donc, j'ai pas le choix de prendre les grands moyens puis enlever mes ongles. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais c'est pas pour faire pour c'est pas pour sonner comme superficielle ou comme une princesse là. Je vous avais dit l'autre fois. C'est vraiment genre ça fait partie de moi ces ongles-là. Puis là je niaise avec mes amis, ma famille, comme le monde sait comment ça me pogne là par en dedans là. Comme un matin là, je parlais de ça avec Francis, je broyais presque lui et excité au bout par lui mes longs ongles, il dit ça j'adore trop. Mais c'est comme je vous racontais l'autre fois, moi j'ai eu ça depuis la 7e année. Hein. C'est comme. Pas avoir donc, ça va être une adaptation, mais regarde. Il y a des choses vraiment pires que ça, on s'entend. C'est juste. Ma petite vie, là. mon petit moment. Mais. Pouvez-vous croire que j'avais même pas de lime à ongles, comme j'avais même pas. Comme, oui, j'avais un coupon, là. Mais genre, je n'ai acheté un comme un heavy duty, là. Parce que c'est quand même épais, là. Mais là, je vais pas toutes les enlever, là. On va se faire un plan de match, là. Sans quoi, je pourrais les laisser, puis juste qu'ils tombent, ben pas qu'ils tombent dessus, mais qu'ils poussent par un tel point qu'ils les enlèvent, mais c'est parce que là, ils vont commencer à être longs, puis j'ai peur, genre, de les accrocher. Par là, il y a déjà des places qui commencent à lever, là. Par là, ça fait 5 semaines. J'étais censée aller lundi, je crois, cette semaine. Moi, je vais à chaque 5 semaines. Donc là, commence à avoir leur temps, là, tu sais. Là, je commence à les voir lever. Puis là, je les peur de l'accrocher comme là, avant-hier, ou il y a une journée, je parlais avec Gaëlle. Puis, genre, j'étais au téléphone, puis genre, je l'ai pogné dans ma porte de poubelle, là. Non, en tout cas. Je sais comment ça fait mal quand ça décolle, genre. Donc, à la place de pleurer, puis d'avoir mal, puis de saigner, je vais prendre les grands moyens, puis c'est ça. Je vais essayer de les couper, d'enlever une longueur pour commencer, puis là, après, je vais juste limer. Je vais limer, limer, limer. Mais je veux pas enlever tout le gel au complet, parce que là, j'ai peur juste de briser mon ongle. Mais en même temps, je pense, bien, je vous montre que j'ai acheté. J'ai fait des achats hier. C'est-tu hier que j'ai sorti ou avant-hier? Ouais, hier, j'ai sorti à l'épicerie. J'en ai profité pour aller à la pharmacie acheter ça. C'était ma grosse sortie. Puis genre, comme... Il y a beaucoup de précautions là, de fait. Là. Je sais qu'il faut ultra faire attention puis comme éviter nos sorties. Là. Ouais. Les commerces, tu prends
prends des bonnes décisions, là. Prends comme de bonnes mesures d'hygiène, on pourrait dire. Mais, oh, moi, j'étais comme surprise de voir ça. Comme j'ai freiné, c'est que. Ils ont mis des petits pieds, genre, pour attendre, pour aller payer, puis il faut. Moi, ma tante, elle est de c'est elle qui était à la caisse. Puis là, j'attendais, j'avais vraiment mes deux pieds, là, sur les petits pieds, là, j'attendais. Elle dit, oh, ça paraît, elle dit, t'es une petite prof, elle dit, tu suis les consignes. Puis là, tu sais, il y en a qui avançaient, puis qui essayaient. Là, ma tante, t'as comme resté vos petits pieds. Là, moi, j'étais là, j'attendais. ouais. En tout cas, ils font bien ça. Mais moi, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté pour mes ongles. On va faire un petit haul. J'ai toute la misère à dire ça. Mais moi, je vais vous montrer des petits achats tandis qu'on mange. Puis, hey, c'est mes premiers achats en bas de l'épicerie comme ça fait longtemps. Je vais vous montrer deux autres achats que je suis hyper excitée. C'est justement Guérette. Allô, encore Guérette. Qu'est venu faire? Une livraison spéciale. On s'est juste parlé dans le carte de porte. Inquiétez-vous pas. On prend nos précautions. Puis c'est ça. Et je vous ai déjà parlé souvent qu'avant du EPQ, ceux-là, j'avais fait une commande. Ça fait un bout, là. Puis c'était. Je sais pas si la promotion est encore là. Si vous voulez aller voir, allez une page Facebook, là. Émilie Guérette, présentante d'EPQ, quelque chose comme ça. Il y avait une édition spéciale ou comme un concours spécial. Ben, pas un concours. Mais pour la Saint-Patrick, je crois. Je savais peut-être pas avoir. Ben, c'était comme dans ce temps-là, ça sortit. C'était genre des sacs à surprise. Puis tu pouvais choisir 1, 2, 3 ou 4. C'était comme un nombre. Puis c'était 25$. Puis tu pouvais avoir des affaires jusqu'à genre 70$. Là. Et là, moi, j'étais excitée. Moi, les sacs à surprise, là. Moi, genre. Au bac, dans les années 2000, quand j'allais chez Arden, puis je prenais une sacoche surprise, là. C'est genre 3 pour 15$, là, puis j'avais des barrettes partout, là. Puis genre des moumoutes de cheveux, là. Tu sais, les moumoutes, j'avais des moumoutes vertes, des moumoutes blanches, j'avais. Comme sur mes photos d'école, j'ai des grosses couettes avec des moumoutes de cheveux, là. Tu sais, genre des mèches, là. C'est sûr, vous savez de quoi je parle. Là, il y avait ça dans les sacoches surprise. Puis des fois, si on était chanceuse, ben si j'étais chanceuse, j'avais des belles boucles d'oreilles. En tout cas, celui-là, je vivais un moment, là, c'est comme si je retournais à Walden. Puis, ben moi, j'ai pris un nom, puis là, ça, mon amie a dit, ah, moi, je vais prendre l'autre nom, ben, elle dit, comme ça, on aura des affaires différentes. Là, elle m'a apporté ça. Puis, on m'a montré ce qu'il y a dedans. Elle m'a dit, mais j'ai pas ouvert encore. Je voulais l'ouvrir avec vous, même si je sais ce qu'il y a dedans. Puis, aussi, que je suis le plus excitée. Là, je vous laisse tenter là, parce que je vous montre pas tout ça. Aussi, avant que tout ça commence, quand on avait le droit d'aller dans le magasin, on avait un cours, so on avait décidé d'aller chercher des sushis. Puis avant, on a dit on va aller faire une petite tournée au centre d'achat parce que le store se ferme. C'est un magasin de vaisselle, puis tout ça paraissait. Il ferme, puis là, il y avait des spéciales. Des spéciaux. Puis là, il y avait 10%. Et en rentrant, j'ai vu le plus beau mixeur du monde. Pas un gros mixeur, genre. Comme gâteau, pis ça, là. Comme à faire des smoothies, genre, comme Magic Bullet ou. Mais genre, le plus beau du monde, là. Genre, il pouvait pas plus aller avec ma bouloir puis mon grille-pain, là. C'est pas la marque Smeg, là, mais c'est un autre marque. Assez beau, mais il était 100$. Puis il y avait pas de rabais. Moi, je suis comme, non, je prends pas ça, là. Puis là, hey, il y aurait tout ça, t'es con. Oh my god, il est beau. Là, une bonne journée. Genre, la semaine passée, je l'appelle. Puis là, genre, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, oh my god, man, elle dit, tu comprends pas? Elle dit, je suis sur le site de Stove. Puis elle dit, le mixeur en question est en rabais, mais genre à 70%. Soit à la place de 100, qui était 39. Et je pouvais pas croire, puis j'avais comme oublié ce mixeur-là. Elle dit, comme moi, je me pogne. Puis elle dit, tu te le pognes? Elle dit, il y aura pas de shipping sinon. Et je suis comme, ah oui, vas-y.
Celui-là, j'ai le plus beau mixeur à côté de moi. Qui va avec mes affaires, je vais le mettre dans la bibliothèque là. Non, non. Puis, je me suis permis ce petit tâche là parce que, à part de l'épicerie, je jette rien, ça fait un bon bout. Puis, on s'en plaint pas là, ça fait du bien de. de slacker les dépenses. Mais là, tenter de me gâter un petit peu. Donc, je me suis acheté ça, je vais vous montrer. Et mon poulet est bon. Puis à part de ça, pourquoi je vous dis bonjour comme ça tard demain? Mais c'est parce que ce matin, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Je me suis levée, déjeuné avec Francis. Ensuite, j'ai mis un vlog en ligne. J'ai mis un compte en ligne. Après, je fais des lavages. Fait que, après, c'est le train quotidien. Qu'est-ce que je fais tout le temps? Vaisselle, lavage, si, ça. Mais ouais, ça c'est pas mal ça. Non, je vais vous montrer. Oups. Que j'ai acheté pour mes ongles. Non. Je me suis pris un petit coupon comme ça. Je me suis dit qu'il avait l'air plus comme. Mais justement, heavy duty. Ça. Ensuite, je me suis pris des lames. J'avais pas de lames. Donc, je me suis pris des lames. Ensuite, je me suis pris une grosse lame. Comme une, comme ça, là, les petits cubes. Là. Mais là, c'est pas un cube, c'est comme un prisme. Un prise à base rectangulaire, si on regarde bien. Mais ouais, je me suis dit, bien, pourquoi pas. Ensuite, je me suis même mis... Je me suis même acheté deux vernis, mais genre style gel. Je sais pas ce que ça va donner. Étape 1, étape 2. Mais c'est comme je vous dis, là, je veux pas enlever au complet le gel. Comme même quand j'ai fait mes ongles, elle laisse tout le temps comme une mini couche de gel blanc en dessous. Mais ouais, c'est ça. Ça va être des gros plans. Mais c'est pas grave, ça pose de nouveau. Puis un jour, ben, j'aurai la chance de nouveau d'aller faire mes ongles. Puis on va. J'apprécierai plus le moment. Puis je serai reconnaissante de ça. C'est comme j'ai parlé à mon amie Sophie Michel ce matin. Hello, Soph. Je t'écoute, Soph. Puis c'est ma massothérapeute. Mais c'est mon amie, ça fait longtemps. Puis. Ça, je lui disais à ma tante, elle m'a envoyé un Snapchat, puis elle est en train de faire un massage à son chien. J'étais comme, je peux-tu avoir quelqu'un dans ma maison qui me fait des massages, s'il vous plaît? J'ai dit, comme, peux-tu pas faire des massages à ton chien, puis me faire des massages? Parce que c'est sa maison, puis mes massages, et mes deux rendez-vous, mes seuls rendez-vous que j'ai par mois. Me permet ça. C'est comme mes petites gâteries. Self-care. Prenez soin de vous. Donc, c'est mes ongles, une fois aux 5 semaines. Puis mon massage, ben, c'est genre ça, c'est comme médical. Là, j'en ai comme besoin, ça me fait vivre, comme que je dis. À chaque fois, tu sais, des fois, il y en a qui font des massages, et comme, travaille cette partie-là. Moi, j'arrive là, je dis tout le temps, je dis, fais-moi juste vivre, fais-moi juste du bien. Ah, puis c'est le fun. Donc, c'est ces deux rendez-vous-là que j'avais manqué, mais c'est pas grave, quand ça va recommencer, ça va être le fun. On va prendre, vraiment réaliser qu'est-ce qu'on est chanceux d'avoir. Non. C'est super bon. On va aller maintenant avec un petit haut de piqûre. Oh! Je suis quand même contente de mes choses. C'est comme des choses que on dirait que je ne m'aurais pas commandé de moi-même. Celui-là, j'en ai un. Mais un jour, quand j'en aurais pas. Quand j'en aurais plus. Puis je l'adore cette fois-là. Donc, c'est l'épice, mais c'est comme un nutri-complément. C'est la tornade fruitée. Là, vous voyez pas, là, ça focus sur ma face. Allô, on veut voir ça. OK. Donc, c'est la tornade fruitée. Puis ça, vous pouvez faire toutes sortes d'affaires avec. Vous pouvez mettre dans votre yogourt, dans le gruau. Moi, je le mets dedans. Moi, j'aime aussi le mettre avec du cream cheese. Le cream cheese. Je pense que c'est notre amie Ariane qui nous avait dit ça. Cream cheese, puis sur des bagels, là. Nom nom. Donc, c'est comme on fraise, pomme, je crois. Ça. Ensuite, ça, j'étais excitée parce que j'ai des pailles réutilisables. J'en fais. Nice. J'ai des pailles
Mais genre des petites pailles, c'est comme essayer de boire un smoothie avec ça, là, c'est tout un challenge. Là. Je finis, là, j'ai mal aux joues, là. C'est du sip, là. Mais ça, genre, je sais pas si vous allez être capable de voir, mais c'est comme, c'est des grosses pailles. Je pense qu'on voit bien. Eh ben, j'étais excitée, elle m'a dit ça, elle disait, c'est comme des grosses pailles pour boire des smoothies. Avec la même, c'est ça, avec la brosse pour nettoyer. Donc ça, j'étais bien contente. Ça aussi, ben j'étais toute contente de tout, dans le fond. Des thés, j'ai jamais goûté les thés Épicure. Ça va être... ça va être une nouveauté pour moi. C'est les thés Bonne Nuit. Jamais vous avez goûté, vous me direz si vous aimez ça. Puis même moi, Francis, on aime ça boire un petit thé avant de se coucher. On dirait que ça nous comme relax. Donc j'imagine que ça va être parfait. Ça s'appelle Bonne Nuit. Pourquoi ça pas bon? Je vais faire comme ça, comme les youtubeuses maquillage, ça marche. Mais ouais. Bonne nuit, puis d'autres petits thés. Celui-là, je suis excitée. Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis pareille comme maman et que j'adore Noël. Puis là, c'est le thé des fées de la collection de Noël. Assortiment de thé noir et de tisane. Je crois qu'il y en a trois dans. Oh my god, ça sent bon. Y'a. Mélange de thé noir, Christmas black tea, tisane lait d'or, mulling spice, tisane d'hibiscus. En tout cas, je sais pas comment il y en a là, mais il y a de là, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas mal ça. C'était ça mon petit sac de la Saint-Patrick. Mon petit sac à surprise. Ça paraît qu'on vieillit quand on est plus excité d'avoir des thés que des boucles d'oreilles d'ordine, hein? Ah, oh, donc c'est ça. Puis là, maintenant, je vais vous montrer. Je vais prendre une dernière bouchée. Et je vais vous montrer le mixeur mélangeur de rêve. Sinon, vous, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez du bon temps à la maison ou au travail. Ceux qui travaillent encore, vous êtes super vaillants. Vous êtes pas mal spécial. Eh bien, est-ce que vous êtes prêts pour le mélangeur le plus beau du monde de la marque Think Kitchen? Je pense pas que vous êtes prêts. Sauf là, vous savez, là, mon smink, c'est comme genre beige crème avec comme une petite poignée, là. Moi, je vous jure, je garde ça, j'ai des émotions. Ah, du coup, je me fais rire moi-même, je suis pas comme folle. Excusez. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez ça! Comment c'est beau! Comme c'est la même affaire beige, blanc, avec le même, là. Je vais vous montrer tantôt, là. Puis, regardez. Non, non. Puis, avec ça. Il y a un couvert comme ça pour le boire, puis une bouteille comme on the go. Comme moi, je trouve ça magnifique. C'est peut-être juste moi qui capote, là. Mais je trouve que ça peut pas plus aller avec comme chez nous. Il y avait un noir puis un blanc. La Garrette a dit, c'est sûr, tu vas prendre blanc, hein. Je dis, ouais. Parfait pour les frapper aux fruits. En tout cas, je suis pas mal excitée. Puis là, elle en a fait un ce matin, elle. Elle a dit qu'il fonctionnait super bien. Donc là, j'ai hâte de me faire un petit smoothie. Je sais pas si je vais m'en faire un cet après-midi, mais c'est certain que je vais l'enlever de l'emballage. Puis qu'on va le faire tremper. Parce que là, je vais justement me faire un eau là, de trempage de bouteille. Ça me prend un... Moi, laver les bouteilles, j'attends, on dirait que... Il y a des bouteilles, puis ça va, là. Après, quand je les lave pas une à la fois, ça, je veux dire, parce qu'on dirait après, là, ça prend du temps de laver des bouteilles, je trouve. Puis je mets pas mes bouteilles dans la vaisselle jamais, j'aime mieux les laver à la main. Donc je veux faire ça. Puis dans les plans de la journée, le reste de la journée, c'est laver les bouteilles, laver mon mélangeur, peut-être me faire un smoothie avec l'acide mango, une épice piqûre, c'est trop bon. Ensuite, j'ai vu que Pascal Morissette avait fait quelque chose sur Instagram, puis c'est genre un défi de danse pour les profs, genre. J'ai mis ça sur Instagram, puis j'ai vu quelqu'un que
je suis. Il a mis dans sa story, puis elle a dit, oh, allez-y les profs, elle dit, on le fait. C'est une petite danse, là, ben drôle, pour alléger la situation. Puis c'est Laurent Tardif, le joueur de football, le médecin, qui l'a genre mis au défi. Je pense à toute partie des lives à Madoff, là. Les fameux lives. Puis, ouais, ça, je pense que je vais faire ça tantôt. Petite danse, ben rapide. Ensuite, mais disons, je pense que je vais juste recommencer après souper. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir faire souper. J'ai peur que mes ongles viennent trop mous ou qu'il y a quelque chose qui se passe de mal et que j'ai de la misère à faire souper parce que je prépare une fondue pour moi et mon amour. Ça va être le fun. Petite fondue relax. Puis après la fondue, j'ai une grosse date ce soir. À distance, bien sûr. Avec mes amis de mon cœur. De mon vlog à Québec, là. On va tous être réunis. Donc, Anna, Guérette, Laurence et Mathieu. Gizmo le Pop va probablement être là. Étienne va probablement faire partie du live aussi. Puis, donc, c'est ça. J'ai hâte qu'on se jase. Toutes les amis ensemble. J'ai hâte de les voir. Ça va nous faire du bien. Donc, ça va être ça après la fondue. Et sinon, ben, je pense continuer les lavages. Continuer le petit train-train. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Donc, là-dessus, je vais vous laisser. Et on va se rejaser plus tard. Puis, ma fondue, je vais faire une petite fondue bien simple, comme d'habitude. Les mêmes sauces. Même accompagnement. Il n'y a pas trop grand accompagnement. J'en fais tout le temps trop, genre. Je fais tout le temps du riz, des patates, la salade. On finit quand on mange pas ça. Faire un petit peu de riz, là, mais on se remplit avec le pain, puis la viande, puis les friments, puis ça. Puis la sauce, j'en fais tout le temps beaucoup trop. Ça, là, je vais essayer de faire comme une fondue raisonnable. On va essayer de faire ça ensemble. Mais le reste, ça se perd pas. Là, je fais toujours comme un repas le lendemain avec. Mais bon. Et ça fait 20 minutes, je parle. Ok, on arrête ça. Excuse. Mais Lucie me suis laissé emporter. Ah, puis en passant, j'arrête une dernière chose. Là. Comme il fait assez beau dehors, là. J'avais dit ça l'autre fois, je crois aussi. Mais genre là, j'ai la fenêtre ouverte. Trop le fun. Hein. C'est bon, ça rentre. Bonne air fraîche. En tout cas, ça me rend heureuse. Donc là-dessus, les amis, je m'en vais ranger ça. Puis je vais aller. Faire tremper mes bouteilles. Et probablement faire un smoothie. Oh my god, je suis trop excitée.
On espère que ces nouvelles mesures encourageront les employeurs qui pensaient forcer à congédier leurs employés. Tu veux du fromage, jamais tu l'as voulu ta viande, c'est bon. Mm-hmm. Bonjour, bonjour. J'essaie de me connecter avec mes amis, ça marche pas. J'essaie. Quand par exemple, ma fondue, c'était trop bon. Puis là, c'est l'heure de me couper les petits ongles. Ok, ça va-tu marcher? On vit un grand moment, là. Allô? Oh! Hola! Hola! J'essayais de pogner mon ordi! Hola les babies! Moita! Moita, moita, moito! Oh! Moi aussi j'aimerais ça goûter le prêt-à-boire! T'as-tu mangé ta fondue, Mille? Oui, c'était trop bon! Oui, là, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais prête parce que la vaisselle est prête, tout est fini de ranger, attends, j'ai mangé. Mon Dieu, vous êtes en train de cuisiner? Allô? Bonjour! Hello. Oh my God, j'essaie mon premier ongle, les amis. Les petites affaires qu'il tient qu'est-ce sont là. Est-ce que tu as un coupon? Oui. Quel sorte de coupon qui est ça? Ben, un coupon normal. Comme un coupon normal? Oui. Oui. Ça marche pas jamais. Ben au moins couper le bout là. Mine, t'as pas de micro là. Hein? On t'entend pas là. Tu m'entends pas? Je suis en train de vous montrer que le top des canettes c'est rose. Je suis en train de dire, Mine, t'aurais besoin du coupon Gadivan. Je commence. Zoom 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 zoom. Moi, Guérette, Anna, Laurence, Mathieu. On s'est échangé un petit peu. Puis en même temps de me faire les ongles. Mais là, j'ai comme vous ai pas fait un avant et après, ben vous voyez quand même assez souvent dans mes vidéos. Là. Ben genre, j'en ai encore un de pas mal long. Là. Mais genre, regardez. C'est vraiment moins pire que je pensais. Là, gars, je les ai vraiment juste coupés. Mais je crois que je vais les laisser comme ça. À la place de toutes les limer. Puis genre, ça va juste pousser. Puis à mesure que ça pousse, tu sais, je vais les limer, là. Sur la place de tout enlever de gel, puis de me faire mal, là. C'est ça que je vais faire. Parce que là, vu que c'est long comme ça, ben là, ça aurait comme déchiré sur les côtés, là. Mais vu que c'est court comme ça, ben ça va juste pousser. Ça va être doux. Puis à mesure que ça pousse, ben je vais les limer. Puis en quelques temps, ben mon ongle va avoir poussé, puis tu sais, il n'aura plus, là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est la meilleure décision. Puis ça fait comme qu'il paraît. C'est vraiment différent. Pour certains, peut-être ça va être long. Comme c'est quand même long, disons. Mais moi, c'est. Comme juste tantôt, là, je textais, mais comme j'entends un peu. Tu sais, d'habitude, j'entends tac-tac, là, avec mon pouce. Mais là, je n'entends plus rien. Même avec mes
projet, ça va être bizarre pour continuer mes projets pour d'habitude, c'est mes anges. En tout cas, ça va être une adaptation, mais c'est parfait. Ouais, pis ça, notre fondue, c'était bon, c'était le fun. Petite soirée avec mon amoureux. Là, j'avais dit, il faut qu'on me pose à notre petite date, parce que j'ai une petite date avec mes jambes. Mais sinon, ouais, le reste de la soirée, ben, je vais aller continuer mon contrat. Puis, je vais aller écouter une petite vidéo YouTube. J'avais commencé en même temps que faire le souper, la vidéo à deuxième pot. Marianne a peinturé, si vous l'écoutez, là, c'est genre ses deux meilleures amies là, qui ont une chaîne. Puis si vous l'écoutez, mais Marianne, c'est genre elle qui est comme super créative. Puis elle fait toutes sortes de peintures, comme elle fait des Bob Ross, puis toutes sortes de choses. Mais là, elle a fait genre comme une de ses peintures, une déesse, puis un ange, là, mais sur le plafond de sa salle de bain. En tout cas, ça a l'air pas mal fou. Je vais aller continuer à limer ça et ça s'en vient. Puis, je pense que je vais terminer ça ici, là. Mais j'ai fait une petite drink avec les amis. Tantôt, j'avais fait ça, mais tantôt, c'était bon, j'avais juste pris de la bobli à l'orange. J'ai découpé des oranges. Puis de la glace pour tantôt quand on a mangé la fondue. Mais là, j'ai fait la même chose, mais j'ai rajouté un petit peu de vin blanc. Ça, ça fait comme un petit vin pétillant, genre. C'est vraiment bon. Donc, je vais finir ça, mon petit verre. Je vais peut-être me prendre une petite collation. Je sais pas, des petits craquelins, peut-être. Ou un petit chip, je sais pas. On dirait que j'ai comme. Puis, mais vraiment, je sais pas faire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Sans cause, mes amis mangeaient des chips et ils m'ont donné le goût. Là. Mais ouais. Je suis quand même pleine de ma fondue. Puis, je suis quand même bonne. Je vous avais dit, je voulais faire comme raisonnable, pas trop de choses. Et bien, il en reste un petit peu, mais ça va faire comme un beau restant pour demain. Ça, ça va être parfait. Puis, ben, c'est pas mal ça. Les petits plans. Il est quand même 9h20. Ça, je vais aller écouter des petites vidéos. Je vais me mettre en pyjama. Puis, ça va pas mal être ça. Demain, on est samedi. C'est quoi les plans de la fin de semaine? Mais j'aimerais commencer des projets, faire des petits devoirs, faire ça bien tranquillos. Techniquement, l'école était censée commencer lundi. Mais là, elle commencera vraiment pas lundi. So. On prend les devoirs une journée à la fois. Là. Puis en fin de semaine, c'est comme samedi, dimanche. On prend ça plus relax. On va essayer de garder une petite routine quand même. Mais ouais, donc c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé le vlog. On va bien se revoir dans un prochain vlog. Et puis, entre-temps, laissez-moi comme savoir comment ça va. Vous savez que j'aime ça vous jaser. Donc, là-dessus, sur une petite lime, un petit limage, je suis contente vraiment du résultat, ça va bien. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Francis va mieux aimer ça. Il dit que c'est mes longs ongles chatouille. Mais là, j'ai encore des ongles, mais je pense vraiment que ça va être moins pire. Je vous laisserai des petites news là-dessus. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Ou matin, ou après-midi, vous comprenez. Donc, un gros merci d'avoir écouté. Puis, à la prochaine. Bye. Surprise. Mathieu Pepper qui dit Mathieu, respire, je suis brûlé. Vous avez dit bonne nuit, mais là, je suis en live. Je parle extrêmement rapidement. J'écoute la live à Mathieu. Je pourrais même augmenter ça d'une coche. On pourrait même partir encore un peu plus rapidement, Mathieu. Moi, je suis capable de parler très rapidement. J'ai pas envie de parler rapidement parce que moi, depuis que je suis jeune, je parle très rapidement. Comme ça, je suis capable de rentrer plein d'informations dans une seule phrase. Vois-tu? Dans une seule phrase, je suis capable de lire la Bible. On vient de faire un petit chin-chin, il est mourant. Je fous le sang, je fous le sang. Santé, les amis. Ok, on parle de générique. Ça va bien? Je suis pas sûr, ouais, je pensais ça. Ouais, je suis comme contente. C'est parti, on n'oublie pas la chanson We Were All in This Together, c'est le 17e. Il en repos, c'est comme pas trop pire, parce que c'est comme une belle plage. Puis le but du coronavirus, c'est qu'on passe un moment ensemble à tous les jours, même parce qu'on est isolés. Là, j'ai un rôle qui s'en vient, je vais le camoufler le mieux possible, ok? Ah, l'asti, j'ai oublié. J'ai pas été capable. Ok, fait qu'on parle le générique, c'est parti. Ok, tout le monde, je vous attends, j'attends la maison. All in this together.
En tout cas, bon. Là, c'est tout d'un vrai bonheur. Bye!